Merci à vous, mes amis, de m'avoir suivi jusque dans cette étable. Hein? Les vaches en dessous et les moutons au-dessus. Là, je le considère comme un mouton ou comme vous. On s'en prend en chier de plus en plus. Putain. Oh putain, on en chie. La rue pas. Le procédé ou quoi? Le jugement de Nuremberg. Delta plan. Apollo 13. Là, on est ailleurs. Jugement de Nuremberg. Très important de relire ce jugement. Attendez, là, wow! Eh oui, vous avez vu, vous n'avez pas lu le jugement d'Humbert. D'Humbert. Ah, bah, t'es tout en haut. De toute façon, vous savez, dans la vie, d'avoir tourné les choses dans tous les sens, on en revient toujours aux heures les plus sombres de l'histoire. Déjà, parce que c'est dans l'obscurité qu'on peut arranger un peu les coups foireux. Non, mais c'est vrai. La vérité ne va pas s'éclairer en pleine lumière devant tout le monde. Jamais, toujours en arrière-cuisine, à deux, trois bras cachés, comme on fait, tiens, t'as qu'à prendre ça. T'es sûr, mais ça va se voir. Le mot Nuremberg, c'est pas un mot, c'est pas un mot qui se claironne. T'arrives pas, tu dis, tiens, tu sais Nuremberg. T'es fou, ouais. C'est un mot qui se chuchote. Allez dans un monastère, Nuremberg. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Pardon, je t'en prie. Nuremberg, c'est le sommet. Number one. C'est même pas number one. C'est. Aujourd'hui, un magistrat pédophile, par exemple. Ah, je vais prendre l'exemple, ouais, du magistrat le plus courant. Un magistrat pédophile qui aurait perdu le sens des valeurs. Le gars, dans une soirée, il a fait le con. Il était avec ses potes comme magistrat, ils sont partis en piste, l'autre, il a tué un gosse sans tête. Voilà, non, non, voilà, à un moment donné, il dit, attends. Au début de soirée, il avait une tête, qu'est-ce qui se passe?